Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 22e épisode de notre aventure sur Dead Space 3. Et putain, on n'a pas fini les mecs, hein. Je viens de regarder, je suis à peine à 50% du jeu. Bordel de merde, je pensais que j'étais pas trop loin de la fin, en fait j'en suis carrément loin. Et on va avancer dans cette espèce de dédale qui m'a l'air infesté de saloperies en tout genre, bien entendu. Et j'entends un bubwing. J'entends un bubwing qui doit pas être trop loin. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ah, non, non, non. Ah! C'est derrière moi! C'est derrière moi! C'est derrière moi! Rêve! Non, mais 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 non, au secours! Non! Vite, 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 vite. Putain, je sais pas où c'est, je sais pas où c'est. Ouah, mais y'en a partout! Vite, la porte, la porte, la porte, la porte, la porte, la porte! Merde, j'aurais pas vu. J'aurais pas lu. Je veux pas mourir. Ils sont où, cette bande de connards? Bon. Necros, tu prends tes deux couilles dans les mains et t'y vas. Ramenez-vous! Ramenez-vous! Ta gueule! Vite, 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 vite. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Putain la vache, mais ils vont à une vitesse ces bâtards. Viens là. Voilà. Je hais ces saloperies. C'est juste les pires de toutes. Oh putain. Mais le pire c'est qu'en plus elles sont pas extrêmement résistantes, mais elles me font flipper. C'est le cri, c'est le cri, c'est une horreur. Saleté de merde, va. Et c'est quoi ces trucs? C'est juste des... Ouais. Ouais bah putain. Ah. J'allais commencer par ma phrase habituelle. Un plaisir, chers amis, de vous retrouver sur cet épisode, mais non, 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 c'est pas du tout un plaisir. Là, je le fais parce que j'y suis obligé. Oh putain. Bon, alors. On va être dans le coin. Merde. Allez, rapporte-moi du stuff, ma belle charogne. Bon, en attendant, j'aime pas du tout cette tenue, hein, je l'ai déjà dit. Je vais certainement la changer au détriment d'une résistance accrue, mais pff, on a foutre. J'aime pas, c'est ce que tu veux que je te dise. C'est moche. C'est jaune, c'est laid. J'ai un gros A dans le dos, c'est de la merde. Bon, bref, 22e épisode, chers amis. 22e épisode, je sais pas du tout combien de temps va durer cette aventure. Mais je vais essayer de... D'accord, je me suis fait embrocher par un couvercle. Pas moyen, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux me dire ce que j'étais en train de dire? Tu peux me le rappeler? Oui, je sais pas du tout combien de temps va durer cette série. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite, dorénavant. Éviter de traîner trop... Éviter de trop traîner dans toutes les pièces dans lesquelles je spawn. Par contre, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut que je foute là en fait. Non, ça je suis blindé. J'essaie de ramasser quand même un maximum de choses. Sans trop traîner, bien entendu. Alors, ami imaginaire, aide-moi pour ouvrir cette malinfinie porte. Voilà. Ok. Merci.
putain. Ah non, mais c'est ultra sensible, faut... merde. Merde. Oui, je fais pas les deux en même temps, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Tac, 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 tac. Merde, 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 merde. Ah mais d'habitude c'est symétrique, là ça ne l'était pas du tout donc... Système débloqué. Ça m'a ouvert ça, est-ce que ça m'a ouvert l'autre porte qui est là-bas? S'il y avait une autre porte qui m'était fermée... elle est où? Là. Non c'est fermé hein. Fermé, fermé, bon! Allez on avance, on avance, on avance. Je sais pas du tout... Je sais même pas ce que je fous là en fait à vrai dire. Comme à mon habitude, putain, j'ai encore 15 000 kits de soins. Bon, promis, le prochain coffre que je croise, j'en fous dedans. Promis, promis, promis. Vous avez assez gueulé dans les commentaires pour me dire de le faire. Non, c'est de ce côté-là. Comment ça, j'ai plus de place dans l'inventaire? Tu te fous de ma gueule? Comment je fais déjà? Je me gourre un petit peu au niveau des touches parce que, comme vous avez pu le voir, on a commencé avec l'Austral notre aventure coop sur Borderlands et du coup c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes touches. C'est un petit peu le bordel pour s'y remettre. Les gars, je sais pas sur quoi ils travaillaient ici, mais on dirait qu'ils ont saccagé la moitié de l'entrepôt. Oh non. Et pour les pièces du détecteur? Trois pièces, c'est ça? Bon, ça va pas être simple, mais je vais voir. Si c'est ce que je crois, il y en a une dans la nacelle là, il y en a une ici. Et après, je sais pas. Ok. Non, j'en veux pas de toute façon. Je sais pas pourquoi je voulais les ramasser, j'en ai pas besoin. Enfin, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais. Non, non, non. Merci. Du coup, là-bas, il y a. Que quick. Bon! On avance. Circuit de... Putain, ça c'est très chiant que ça se foute dans l'inventaire aussi. Dégage. Hop. Plus deux cadences de tir, moins un recharge. Bon bah c'est bien, tout ça c'est bien beau. Qu'est-ce que je suis censé foutre en fait? Je suis censé ramasser je sais plus trop quoi pour faire je sais plus trop quoi. Mission. Alors, les chercheurs des colonies souveraines ont utilisé une sonde afin d'examiner le système nerveux de cette chose. Si j'arrive à trouver les composants nécessaires pour construire une sonde, nous pourrons réussir à recréer leur expérience. Ok, donc faut recréer une sonde et il faut trois composants pour créer cette saloperie de sonde. Et j'entends un bubwing, mais j'ai plus de charognard. J'ai plus de charogne. Tiens. Dieu que c'est lent. Ah puis ça me l'a foutu sur la nacelle qui est juste là, d'accord. T'as faut le savoir quand même. Imagine t'y penses pas, tu redescends, t'es baisé, faut que tu remontes et que tu réactives le bordel. C'est très chiant. Alors si c'en est, là j'en ai une troisième alors. Si c'en est. Si c'est bien ce que je recherche. Ok. Eh ben allons-y. J'entends des saletés. J'entends des saloperies, je sais pas où elles sont, mais je les entends. Ah, c'est derrière moi. C'est derrière moi. Bon bah ou pas. Ça va me sauter à la gueule d'une minute à l'autre, je vais faire un bond de 15 mètres. Ok. Wait. En bout de sonde, bah parfait. 1 sur 3. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bon, j'ai trouvé les 3 là. Les trois, bien entendu, que je vais les ramasser, ça va me sauter à la gueule. Ça, c'est que du kit de soins, ça n'annonce rien de bon. Bloc moteur, sonde. Ouais. Pourquoi ça a pété là? Ok Santos, j'ai toutes les pièces. Excellent.
Excellent. Vous pourrez reconstruire ? Je dois utiliser le plan sur un établi. Rien de trop compliqué. Encore faut-il trouver un établi. Excellent. Smithers, apportez-moi les pièces de la sonde. Je voudrais sonder une partie de votre corps. Oui, oui. C'est n'importe quoi. Bon. Alors là, ça va me spawn à la gueule. Juste en face. Bah, sinon, ce serait pas drôle. Putain, je savais pas que je pouvais les péter. Vous êtes sérieux, y'a que ça? Non. Ça ne peut pas être aussi simple. Parce que je connais le jeu à force. Je te dis que ça va me sauter à la gueule, ça va me sauter à la gueule. C'est obligatoire. Alors ça, c'est un truc qui est très chiant, c'est de devoir tout se retaper le chemin que tu viens de faire. Je cours. Ah, je voulais courir. Oh non. Comme si c'était le moment. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule de merde. Ah. Au secours. Ramène-toi. Viens là si t'es une bite molle. Loupé. Loupé. Je fais de la merde là. Recharge. Je peux pas me barrer. Calme-toi. Putain, mais j'arrive pas. Merde, c'était pas le moment de recharger. BAM. Il est mort ou il est... Non, il est pas mort. Il est pas mort du tout. Il est pas mort pour un sou, l'enculé de sa mère. Putain, mais c'est pas vrai ça! C'est incroyable, j'arrive pas à le toucher, bordel! Ah! Et pourquoi ça le stase plus ça? Eh merde, tiens! Non! Non, mais j'ai compris ce qu'il faut faire maintenant! Mais le problème, c'est que j'y arrive plus! Ramène-toi! Loupé. Vite. Voilà. Maintenant tu cours. T'es censé crever un jour quand même, toi ou pas? Ça va être très chiant. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas en fait. Crève. Mais c'est bien ça qu'il faut que je fasse au moins. Je vais encore niquer toutes mes munitions. Hein. Ah, il s'est barré. On pourra localiser la machine. Si cette planète ne nous tue pas avant, on la trouvera. J'en reviens très vite. Ouais. Hey, quelqu'un s'est rendu à l'armurerie ? Non ? Pourquoi ? Oh merde. C'est ce que je craignais. Quelqu'un y a laissé des signaux récemment. C'est pas vrai. Tu penses que c'est les hommes de Danik ? J'en aurais le cœur net. Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Nouvelle mission facultative. Stock de mini. Ok. Ok, et du coup, ça, donc ça, on l'avait vu un petit peu plus tôt, voilà, protéger les stocks, protéger. Tu rigoles, moi je vais aller les piller, ouais, c'est juste qu'une forme de pitié. Les armes de Danik sont arrivées sur la planète, s'ils mettent la main sur les munitions des fax, je ne donne pas cher de notre peau, je dois les empêcher d'accéder au stock de munitions de l'armurerie. Et donc, faut que je retourne en arrière, non. Non, mais non. Attends, je suis bien du bon côté, au moins. Où est-ce que je viens, moi?
Pièce trouvée. Oui, non, mais ok. Ah non, mais c'est ça, la mission secondaire me demande de retourner en arrière. Fuck! Ah non, 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 ah non, en tout cas, je dis des conneries. Non, non, je viens d'ici. Ça me demande d'aller à la fameuse porte qui se trouve juste là, a priori. Ah d'accord, et c'est ça les signaux. Je me demandais ce que c'était. Les trucs au sol, en fait, là, voilà. Je me demandais tout ce que c'était. Et on ramasse si tu veux, je peux pas les prendre. Je me demandais ce que c'était. En fait, c'est. D'accord, c'est les autres connards de. Les hommes de Danik. Bah écoute. Ouais. Mission secondaire. Ça va durer encore une éternité cette histoire, putain. Sésame, ouvre-toi! Merci beaucoup. Et donc, nous sommes à l'armurerie, c'est ça? Un établi. D'accord, l'autre il est rentré, pas de soucis. Je vais récupérer mon stuff. Alors, lançons toutes les pièces collectées. Ouais, parfait, fabriquées. Choix de lieu de stockage. Oh, mais non! Mais je peux pas la mettre directement dans le coffre? Bon, mais là, si tu veux. Répliquant. Ça, je connais, ok. Ok. Cacheur en or, donne-moi du stuff. Oui, du délicieux stuff. C'est ça qui est bon. Alors. Cette arme ne peut pas être modifiée. Oui, bah. Est-ce que c'est une arme. Très dangereux pour du matériel scientifique. Je fais quoi avec? Il me semble que les scientifiques prenaient des mesures internes. Donc, je suppose que nous allons devoir lui ouvrir le ventre. Oh, alors, God. Peut-être qu'il expliquerait les harpons. Super. Est-ce que je peux en servir en tant que tel, en fait? Pardon. Ça fait quoi, en fait, vrai dire, comme... Si je peux... Merde. Si je peux utiliser comme arme en tant que tel... L'ensemble lourd de standard. Ouais, non mais... Wait. Déjà, j'ai pas fini ce que je voulais faire dans le stock. Enfin, établi, mais non, c'est... Non. Mais je m'en fous, je veux pas la modifier, je veux juste voir comment elle est foutue. C'est quand même incroyable, ça. Ouais, mais du coup, c'est casse-couille, je suis obligé de la porter. Bon, j'espère et j'imagine que c'est un truc craqué, mais... Tiens, je vais mettre tous les petits guides de soins que je trouverai, je les mettrai dans le coffre. C'est bon, vous êtes content comme ça? Putain, c'est pas possible ça. Bah non, mais les mecs, je peux même pas jouer comme je veux. Non, je rigole, ça va. On se détend. Pas la peine de me flamer dans les commentaires tout de suite. Qu'est-ce que j'avais ramassé? J'avais ramassé un truc, je sais plus ce que c'est. Torche piqueuse, un outil incendiaire alimenté par du gaz haute pression. Déchireur. Géomètre. Outil de mesure sismique radicale à base de mine. Ouais, non. Non, ça m'intéresse pas. Torche piqueuse, du coup, c'est un truc... c'est un lance-flamme ou... Je l'avais déjà essayé, je crois. Ouais, de gaz haute pression, machin. Ouais, il me semble que j'avais déjà essayé, de toute manière. Créer des mines de dégâts en versant. Créer un lance-roquette, c'est déjà fait, du coup. Oh, bah, écoute, c'est bien. C'est bien. Circuit d'amélioration, non, c'est bien. Ça me va. Je vais savoir combien j'en ai là. Combien j'en ai en stock, c'est marqué ce que j'ai en stock, c'est les x1, c'est ça? Ouais, ben une, ça suffit pour l'instant. Ok, le tungstène, je vais le garder pour améliorer mes rigs lorsque je trouverai un poste de. Un truc comme ça, par exemple. Non mais, au pif, hein. J'aurais bien envie de changer de tenue, quand même. Mais est-ce que ça change réellement mes rigs, en fait? C'est la question que je me pose. Tenue arctique, ok. Il sait à partir de fibre 1, déposé par les colonies souveraines, ils sont... Protection physique, la rétention de chaleur corporelle. Ouais, mais si je change de tenue, du coup, je craindrais la chaleur, en fait. Ouais, c'est le problème, quoi. C'est le problème. Alors, force. Non. Mais ça améliore la santé ou pas? Oui, ça améliore la santé, ça. C'est bizarre parce que dans les deux premiers opus, la force, ça augmentait, bah, la force, quoi, tout simplement. Les dégâts que je faisais au corps à corps et quand j'utilisais la télékinésie. Là, non, c'est pour améliorer la santé.
Ok, l'air j'ai dit que j'en foutais pas. Armure, ça peut être intéressant. Ça coûte pas excessivement cher par rapport à ce que j'ai. Et ben, tac. Oui. Voilà. Stase. Ouais, elle dure pas longtemps la stase, c'est casse-couille ça. Un meilleur rayon et durée de la stase de 2 points. Meilleur nombre de tirs, meilleure la charge. Ouais. Télékinésie, je vais pas améliorer plus que ça. Ah oui, vous voyez, dans les deux premiers opus, la force augmentait les dommages que je faisais avec. Alors que là, maintenant, c'est 2 points complètement distincts. Mais bon, pas bien important. Du coup, je vais m'améliorer un cran de santé quand même. Hop là. Ça coûte pas extrêmement cher en fait, ça. Hein. Voilà! Parfait! Oh, j'aime pas du tout ce casque. C'est pas grave. Quand j'en aurai plus besoin de cette tenue, je la changerai. Mais du coup, je voudrais tester cette arme, voir si elle est aussi efficace que qu'on nous le fait croire. Artefact unitologue. Enfin, unitologie. J'aime beaucoup ce. Hey! Wait! Attends. Alors, réflexion, Jacob Danik. Ah, ah, ne tremblez pas face aux défis qui nous attendent. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, nous sommes des millions, et notre foi pour le monolithe est inébranlable. Comme... non. Nous avons surmonté toutes les résistances pour devenir l'une des religions les plus pratiquées de la galaxie. Nous avons rassemblé une armée, et cette armée a vaincu le gouvernement. Nous trouverons Isaac Clarke, nous libérerons les monolithes et le temps de la convergence viendra. Restez vigilants, la fin est proche. Oui, parce que sans un rire sadique, ce discours ne vaut rien. Voilà, la petite affiche, là, vous avez remarqué, c'est un truc ping. Just for you. J'ai toujours pas, dans le 2, je me rappelle plus si j'avais trouvé le secret ping. Du coup, j'imagine qu'il doit y en avoir un aussi dans cet opus. Ce serait pas mal que je le trouve. C'est complètement inutile, hein. c'est juste pour avoir un trophée, mais... Ouais, c'est prestige, quoi, c'est sympathique. Alors, Armory. Bon, ça va, en tout cas, je suis sur le bon... Est-ce que ma mission est activée? Elle est activée, très bien. Bon, et ben, let's go! J'imagine que je vais croiser tout un tas de soldats véreux. Mais comment ça se fait que eux ils se soient pas fait attaquer par l'espèce de grosse saloperie dégueulasse là? Parce que j'arrive pas à trouver de nom pour cette merde là. En fait, je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Je dirais un mélange entre une araignée et un scorpion en fait. C'est chelou. Ok, il y a un autre établi, un autre poste d'essayage ici. Bah putain. J'entends un bubwing. Par là-bas, je vais déjà... C'est par où je dois aller. Ok, je dois prendre l'ascenseur. Ah, mais... Ah, oh, oh! Wow! D'accord. En fait, je suis... Ok, je suis déjà venu ici. Mais il y a déjà un moment. Et putain, c'est justement par ce... Attends. Non, ça doit pas être la même, justement. Non, c'est pas la même. Ok. C'est ce petit vaisseau-là qui va me permettre de relier plusieurs zones, en fait. D'accord, donc ce sera peut-être en fait un moyen pour que je puisse éviter de me retaper tout le chemin. A mon avis, c'est pas aussi simple que ça, mais bon. On a le droit de rêver, n'est-ce pas? Ok. Ça pique? Dommage, c'était scripté. J'aurais bien voulu le... Mission facultative, armurerie. Cette musique. Est-ce que... D'accord. Oh putain, il me faut pas grand chose pour flipper quand même. Ok, encore un autre établi. Putain, j'ai croisé 3 établis en l'espace de 30 secondes. Quoi. Munitions, les délicieuses munitions. Bien le bonjour, mesdemoiselles! Bien, 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 bien.
Sérieux, c'est une armurerie ça? Non, je m'en fous de ça. Circuit d'amélioration. Plus 2 recharges. Intéressant. Enfin, que je pense à faire ça en off. Quand j'aurai fini cet épisode, si jamais je trouve un établi entre temps. Enfin, ou même après, c'est pas bien important, mais il faudra que je pense. Merde! Bon bah c'est le fail. Il y a une plateforme en dessous, j'ose espérer que je la retrouverai plus tard. Bon, de toute façon, à part des munitions ou des kits de soins, j'aurais pas trouvé grand chose d'autre de plus de bien intéressant, je pense. Ok. C'est craqué ! C'est complètement pété cette arme! Elle me plaît! C'est bon ça! J'aime beaucoup, en plus ça fait des dégâts un peu électriques. Amplificateur statique, the hell is that? Amplificateur statique, bah c'est le truc que j'ai équipé sur l'arme que je n'ai plus. Merde d'ailleurs, c'est ça que j'aurais dû faire, putain, je suis un abruti. J'aurais dû rééquiper mon autre arme à la place de celle-là. Ouais, ouf. Bon, de toute façon, je vais sûrement squatter celle-là. 900 munitions, je pense que... Je pense que ça devrait déjà être pas mal. Oh, mais attends, c'est des soldats, ça. Eh ben, ils auront pas fait long feu. Les mecs sont dans une armurerie, ils trouvent encore le moyen de se faire péter la gueule, quoi. Bande d'abrutis, j'ai envie de te dire. Bon, bah, c'est bien. Nouvelle arme qui est plutôt cheatée, je dois l'avouer. Je dois prendre l'ascenseur, très bien. Et ça, c'est quoi? Ok, porte fermée. Et il y a un logo des fax, c'est ça? Ouais. Ça fait un peu franc-maçon quand même, hein, cette histoire. Mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Allez, merci beaucoup. Putain, elle est pas mal cette petite arme. Ah d'accord, en fait j'ai ramené une jambe avec moi. Enfin, je sais pas si c'était une jambe ou un bras. Ah, mais j'ai carrément ramené le corps avec moi en fait. C'est dégueulasse. C'est immonde. C'est juste complètement immonde. Ah bon, bah c'est bien. Un kit de soins, comme si j'en avais pas assez. Je commence à être blasé, c'est pas bon sim ça. Qu'est-ce que je fous là, putain? Raise it hole. Ok. Ah. De la ferraille. Et de la ferraille. Et ici, nous avons gel somatique. Un schéma du choc laser. Ouais, pourquoi pas. Et des kits de soins. Ok, bon, allez, go! On avance. Oula. Gueule. Oh mais fermez-la! Oh mais merde à la fin! Ça va aller, oui! En fait, je devrais pas utiliser cette arme-là contre eux. Ah, parce qu'elle tire... elle tire 4 tirs... 4 tirs... 4 tirs à la fois, en fait. En... comment on appelle ça? En rafale, voilà, putain. Ça tire en rafale et du coup, ben, pour les bestioles aussi minables que celle-là, ben, ça me fait foutre des munitions en l'air. Je vais équiper l'autre d'ailleurs. Dès que j'aurai des bestioles un petit peu plus puissantes, du tungstène, ça fait plaisir, ça. Je la réutiliserai. Ok. Alors, si y a certains épisodes, que ce soit Dead Space,
que ce soit Dead Space, que ce soit Alice ou Borderlands, si vous remarquez qu'ils sont un peu plus sombres, c'est normal, enfin façon de parler. Parce que j'ai quelques petits soucis au niveau de mes logiciels de montage en ce moment. Ce qui fait que je suis obligé de les encoder deux fois de suite. Et du coup ça a tendance à assombrir un petit peu la vidéo. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais c'est juste que c'est très chiant, parce que j'ai des fichiers qui n'arrêtent pas d'être buggés. Donc voilà, c'était juste pour dire, ça m'y a fait penser, parce que cet environnement est extrêmement sombre. Donc si le fichier est buggé, que je l'encode deux fois de suite, eh ben, on y verra que dalle. Voilà. Ceci étant dit, chers amis, on va s'arrêter là donc pour cet épisode numéro 22. Ça fait à peu près 30 minutes, ça fait 30 minutes d'ailleurs, donc on s'arrête là, et dans l'épisode 23... on avancera un petit peu plus dans cette mission secondaire qui est l'armurerie. En tout cas, j'en vois pas le bout de ce jeu et ça commence à me gonfler. Non, mais ça devient trop long à force, quoi, en fait. Ah, pour tout vous dire, j'ai commencé la mission secondaire, j'avais pas envie de la faire. Mais bon, je la fais parce que je suis quelqu'un de curieux et que j'aime bien avoir des achievements qui sont complètement inutiles. Qu'on soit bien d'accord. Bien, allez, sur ce, chers amis, j'arrête de vous faire traîner plus longtemps. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien comme d'habitude. Allez, bye bye.